sûr que pour moi c'est un métier hein, que je fais. Bon, mais aussi c'est quelque chose qui me plaît, quoi. C'est une passion. Hein. Voilà, disons qu'on joint les deux. Tout est autour de la course. Ouais, en fonction de la course, je vis après. C'est par le karting en 86 que Jean-Baptiste Emmerich fait son entrée dans la compétition automobile. Après de nombreuses victoires, il décide de se lancer dans l'aventure de la Formule Ford. Premier test. Il sortira en 88, lauréat de l'école Palmyre, confirmant son talent de jeune pilote. Les années 89 et 90, elles, seront celles de la Formule Renault, véritable tremplin. C'est finalement en 91 que Jean-Baptiste Emmerich s'attaque à la catégorie Rennes et qu'il obtient son premier volant en Formule 3. Est-ce qu'on devient pilote pour ressembler, pour devenir un Alain Prost ou un Ayrton Senna? Je les connaissais pas quand j'ai commencé à suivre les courses, quoi. Non, c'est plutôt la passion de courir, d'essayer d'arriver devant. Pour être devant, Jean-Baptiste Emmerich doit travailler dur. Tout au long de la semaine, il passe plusieurs heures à s'entraîner physiquement et à rouler sur le circuit Paul Ricard. Pour les 50 pilotes qui disputent le championnat de France, le plus difficile, c'est de trouver les 2 millions de francs essentiels pour disputer dans de bonnes conditions le championnat. Jean-Baptiste a réussi à obtenir un bureau chez l'un de ses sponsors. C'est là qu'il passe la plupart de son temps à chercher des fonds, essayer de boucler son budget. Certes, les résultats obtenus sur la piste comptent, mais le savoir-faire de public relations et de négociateur reste déterminant. Est-ce que tu t'attendais à faire ça lorsque tu as voulu devenir pilote? Est-ce que tu pensais que être pilote, c'était passer 80% de son temps à chercher des sponsors, de l'argent, dialoguer avec eux, faire des relations publiques? Oui. Est-ce que tu pensais que c'était aussi difficile? Je pensais un peu qu'il fallait trouver de l'argent, mais franchement, je croyais que c'était quand même un peu plus simple. Et disons que ce que je pensais, c'est que si j'étais bon, si j'avais de résultats, ça allait m'ouvrir des portes un peu sur d'autres sponsors et ça allait me faciliter le travail, quoi. Mais c'est pas évident. Hein. Pour sa première participation en F3B, Jean-Baptiste a travaillé avec l'écurie Secta. Chaque soir, il rejoint son team, basé sur le circuit Paul Ricard, où il retrouve son équipe de mécano et Jean Lafont, son directeur d'écurie, champion du monde moto en 81 avec Raymond Roche. Là, ensemble, ils vont tenter de trouver les meilleurs réglages. Ce qui fait la qualité première d'un pilote, à mon avis, c'est que le pilote arrive à exprimer la multitude d'imperfections qu'il y a dans la voiture qu'il pilote. Je crois que ça existe encore le mythe du héros. Ça peut exister, mais pour les gens qui sont en F1, qui sont connus, mais pas pour nous. Bon. Jean-Baptiste est au Grand Prix d'Albi, où il défend sa première place au championnat B. Championnat réservé aux pilotes qui effectuent leur première saison en F3. Les voitures utilisées ont déjà servi toute une saison et leurs performances sont moindres. Pourtant, les pilotes y voient un double intérêt. Il leur faut moins d'argent pour disputer ce championnat et surtout, ils peuvent comparer leurs performances avec ceux qui roulent devant. Bref, ce championnat B, c'est le meilleur moyen d'avoir une chance de se battre l'année d'après à égalité avec les meilleurs. Pour chaque Grand Prix, Jean-Baptiste Emmerich et toute son équipe ne disposent que d'une heure d'essai libre et de deux séances d'une demi-heure afin de trouver les bons réglages et obtenir une bonne place sur la grille de départ. Est-ce que finalement une course, ça se gagne pas d'abord aux essais? Ah ben, bien sûr que ça se gagne aux essais puisque c'est là qu'on prépare la voiture. On ne peut pas avoir une bonne voiture comme ça du jour au lendemain. Donc c'est toute la préparation de la semaine et puis le final c'est la course.
on gagne des places et puis bon, ben, c'est très bien, on a bien travaillé, ou alors bon, on en perd et on s'est trompé quelque part. À l'issue des séances d'essai, Jean-Baptiste aime prendre du temps pour regarder ses copains courir. Ils sont en Formule Renault, en Formule Ford, car ils n'ont pas obtenu les résultats ou n'ont pas réussi à trouver les budgets nécessaires. Ensuite, Jean-Baptiste s'écartera quelques heures de l'ambiance du circuit pour passer une nuit au calme, loin du bruit. Il faut se concentrer, rester le plus serein possible, jusqu'au lendemain, 14h, départ de la course. Pour Jean-Baptiste, ce moment de solitude et de concentration, c'est aussi l'occasion de penser à l'avenir et à la suite de sa carrière. Et lorsqu'on est pilote automobile, l'objectif, avoué ou non, c'est d'aller le plus loin possible, voire d'arriver un jour en Formule 1. C'est sûr que j'aimerais bien y être déjà en Formule 1, mais bon, j'y pense pas trop. D'abord, je me préoccupe d'abord par ce qui se passe maintenant, dans le cas où je suis. Puis c'est tout, hein. Bon, le reste, on verra. De toute façon, on ne peut pas dire, on ne sait jamais. Tant dans 2 ans, je peux y être ou j'y serai jamais de ma vie. Hein. Selon comme ça va se dérouler, les événements, ça tient tellement à peu de choses. Le talent, c'est finalement d'avoir de l'argent. Et non, quand même, non, c'est pas pareil. Mais bon, l'un sans l'autre, on ne peut pas y arriver de toute manière. Il faut les deux. Celui qui a l'argent et qui n'a pas le talent, bon, ben... Il n'y aura pas un F1 non plus. Hein. Si Jean-Baptiste accepte de consacrer tout ce temps à s'entraîner et à rechercher des sponsors, c'est parce qu'un jour il a assisté à un départ de course. Cette course qui reste pour les pilotes le seul endroit où il va falloir oublier les sponsors, les budgets, les chronos, pour ne penser qu'au seul plaisir de courir et de se dépasser. L'accident, est-ce que ça fait partie des préoccupations? Est-ce que tu y penses? J'y pense pas. Hein. Sinon, c'est pas la peine de monter dans la voiture. Hein. On fera pas des chronos comme ça. Hein. J'ai été mal en point une fois à cause d'un accident, mais bon, ça passe. Je suis sorti assez vite d'un virage et j'ai eu des problèmes de dos, vertèbres, tout ça. Et bon. Fin d'après, ben, l'ostéopathe qui m'a suivi, au départ, quand il m'a vu, il n'était pas sûr que je puisse refaire de la course automobile. Quoi. Bon. Cette année, sur 12 courses disputées, Jean-Baptiste monte 9 fois sur le podium. Sa première victoire en F3, il l'obtient en ouverture du Grand Prix de France de F1 à Magny-Cours. On veut le plus cher maintenant, obtenir une voiture et une écurie qui veuille de lui pour disputer le championnat 92 de F3A. Condition essentielle pour y parvenir, trouver les sponsors et les budgets qui lui permettront d'exprimer tout son talent. Et ça, pour un jeune pilote automobile, fougueux, audacieux, c'est encore plus difficile que de faire la course en tête. Est-ce que tu es heureux de faire ce métier ou est-ce que quelque part tu as l'impression que c'est un enchaînement fatal qui fait qu'aujourd'hui tu fais ce métier? Est-ce que c'est un choix ton métier ou est-ce que c'est un enchaînement? Ah oui, bien sûr, c'est un choix. Et oui, puisque bon, ben, je suis obligé de passer par là. Ouais, non, maintenant, bon, ben, j'ai fait un choix. De toute manière, je ne me vois pas faire autre chose. Donc, tant que j'arriverai à trouver l'argent nécessaire pour pouvoir courir... dans de bonnes conditions, tant que je ferai de bons résultats, je continuerai. Alexandre Lagarde, Christophe Boussu et Jean-Christophe Bouillon.
Et bien entendu, merci.